Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. Il reste sur un magnifique triplé lors de sa dernière sortie. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Bonjour à tous, quel plaisir d'être assis dans les tribunes du merveilleux Old Trafford à Manchester. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes grâce au football anglais et à ce match de Première Ligue. Et on devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique. Très heureux de partager ce match avec vous, parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Côté Manchester United, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve David De Gea. Casemiro sera épaulé par Fred au milieu. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Et voilà donc la composition de cette équipe. Formation en 3-4-3, c'était la recette du Barça de Johan Cruyff. C'est la recette de la possession et du football offensif, du football total. C'est mon football. Enjoy the game and thank you for attending Old Trafford. C'est parti, le coup d'envoi à l'instant donné par Manchester United. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. À peine commencé et déjà averti sur ce ballon, ça va être délicat pour la suite du match. Sans doute, parce qu'il va falloir maintenant jouer sur la réserve tout le reste de la rencontre et éviter de prendre un autre carton. Position la Sancho. Quelle intervention! Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Attention à la frappe. Oui, joli réflexe. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Son hat-trick lors du dernier match, tout le monde se souvient évidemment. Et le tir, oh, derrière le sauvetage. Un corner qui est bien ajusté. Et la pression pour empêcher la relance. Ah oui, excellent ballon. Et oui, c'est dedans. L'ouverture du score. Quelques minutes de jeu. Et déjà, quelques frissons. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Un 0 donc au tableau d'affichage. La bonne couverture de balle pour temporiser.
le bon crochet vers l'intérieur. Wan-Bissaka. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. La frappe de Rashford. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Le corner. Jadon Sancho reçoit le ballon. Ah, sobre mais efficace. Super intervention. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Oui, la frappe, et c'est au fond, voilà le but, une égalisation, une belle manière pour relancer ce match. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Anthony. Et c'est une nouvelle faute. Voyons maintenant la décision de l'arbitre. Parce qu'un deuxième jaune et c'est l'exclusion. Alors pas de carton là pour cette faute et heureusement parce que sinon c'était l'exclusion. En effet, l'arbitre a été plutôt magnanime là-dessus. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ça sort et une touche pour United. Rashford avec ce ballon. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Wan-Bissaka, la sacrée intervention, le ballon est perdu. Ah, la perte de balle. Oui, la belle incursion là. Et le gardien s'illustre bien. Un corner bien joué, bien frappé. Ballon arrêté, Mano Tasso. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Mais le gardien est allé la chercher. C'est bien parti pour ce corner. Quelle intervention, elle est hyper importante. Beaucoup de monde à la retombée et cette tête largement inoffensive.
Anthony. Ouais, une bonne charge. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et l'intervention de l'arbitre pour signaler une position d'orge. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale, mais malheureusement le jeu il est trop prévisible. Ça joue au petit trot, on est encore dans la salle d'attente, on patiente, on lit les journaux en attendant notre tour. Mais attention, c'est chaud là. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Et avec le but, le score est maintenant de 2-1. Et ça joue, dit l'arbitre, avantage pour United. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et c'est bientôt la pause et pour l'instant, ça se présente bien pour l'équipe qui joue devant son public. Son but d'avance donne une indication. C'est une rencontre très serrée entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Attention à ne pas relâcher la concentration en deuxième mi-temps. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Excellent, le geste défensif là. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ah, le ballon qui est sorti, une remise en jeu pour Man United. Et voilà le coup de sifflet donc pour la mi-temps ici à Old Trafford. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Marcus Rashford. La progression de Rashford. Ah, c'est bien parti. Ouh la parade. Le ballon pour Eriksen. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Allez, on parle, mais attention parce que pendant ce temps-là, il y a un but à Stamford Bridge. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Manchester City. Un but de Kevin De Bruyne. C'est son deuxième aujourd'hui sur un ballon parfaitement repris de volée. On en est donc à 2-1 après 49 minutes de jeu. Et c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Jadon Sancho. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense.
Alors à venir sur nos antennes et à vivre ensemble évidemment ce rendez-vous de Première Ligue, Manchester United à West Ham. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Eh bien, l'ont récupéré sur cette bonne intervention. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ah, c'est pas évident, mais très bonne couverture. Bonne séquence d'attaque placée dans le camp adverse. Ah non, la changement de possession du coup, c'est pour l'adversaire. Et attention, là on me signale un but marqué du côté de l'Arsenal Stadium. Oui, c'est le premier but en faveur d'Arsenal. Un but de Martin Odegaard. Il peut tenter sa chance. Un bon arrêt du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Le ballon pour Anthony. C'est en direction de Martinez. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Allez, pardon pour cette interruption, mais c'est évidemment le direct qui dirige. Arsenal vient tout juste de marquer. C'est ce qu'il faut retenir. Ouverture du score, donc 1-0. Allez, c'est bien défendu sans commettre de faute. Et notez-le, on se retrouvera pour un match de Première Ligue à vivre ensemble, bien sûr. Brighton affrontera Brentford. Regardez, regardez! Excellente parade avec ce plongeon. Le corner. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et il remporte son duel, bien défendu. We've had a pair of car keys handed in at reception. A pair of car keys and a wallet. If those are your items, please collect them after the game. Thank you. Rashford. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Et voilà un ballon parfaitement capté. Donc une touche. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. De David De Gea. Ce corner, c'est peut-être leur dernière chance d'égaliser dans ce match. Un corner qui est bien ajusté. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention.
Et c'est capté sans difficulté par Derrière. Et attention, un but à l'Arsenal Stadium, me dit-on. Et oui, avec le deuxième but pour Arsenal. Et il est à mettre au crédit de Bukayo Saka après une mésentente de la défense. On en est donc à 2-1 alors qu'on joue depuis 82 minutes. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Luke Shaw à la réception. Excellent timing sur cette interception. Attention à cette passe. Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Rashford. Le quatrième arbitre lève son panneau lumineux. 3 minutes sur le but. La frappe. Oh, le but de la légende. Le but de Cristiano Ronaldo. On dirait que la gloire a décidé de le prendre en stop. Comme la lumière, il traverse le cristal sans le casser ni le tacher. Si. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. C'est fini, l'arbitre siffle donc la fin de la rencontre. 3 points de plus pour Manchester United. Oui, très bon match. Leurs 2 buts d'écart sont la récompense du travail réalisé dans la semaine. Et on le voit là, CR7, il a encore répondu présent dans cette rencontre. Et oui, pour tout le monde, c'est magnifique. Son but, c'est le but de toute l'équipe. Un travail de connexion et de coordination excellent.